dernière vérification avant l'ultime épreuve écrite de l'année. Les élèves de terminale passaient ce mercredi matin le bac de philosophie, un moment souvent redouté. Impression au lycée Louis-Lapic d'Épinal où 325 élèves étaient convoqués. J'essaie de me préparer au maximum avec des révisions et on va voir ce que ça va donner. Des pronostics ? On essaie de viser 10. Je me suis préparée, mais j'ai l'impression d'avoir tout oublié, mais je pense que ça va le faire. Enfin, j'espère. Après 2 ans chamboulés par le Covid, c'est la première fois que le bac se déroule selon le calendrier et le barème de la nouvelle réforme. Le contrôle continu tout au long de l'année représente 40% de la note finale contre 60% pour les épreuves classiques. Les matières spécialisées, elles, sont comptées au coefficient 32 et la philosophie compte seulement pour 8. On a le bénéfice du déplacement des épreuves de spécialité qui ont lieu récemment, puisqu'elles étaient prévues au mois de mars et elles ont été déplacées au mois de mai. La philosophie n'ouvre plus de manière traditionnelle l'ensemble des épreuves du baccalauréat, mais elle demeure une épreuve extrêmement symbolique, d'une durée de 4 heures, et qui, sanctionne la capacité à penser, à réfléchir de nos élèves et d'attester de leur culture philosophique. Donc c'est un moment extrêmement important. Les élèves avaient le choix entre l'explication d'un texte du mathématicien et philosophe français Antoine-Augustin Cournot et l'un des 2 sujets de dissertation sur l'art ou la politique. Toujours à Épinal, au lycée Claude Gelée, cette professeure était surtout inspirée par le second. Revient-il à l'État de décider de ce qui est juste ? Voilà. C'est un magnifique sujet où il faut que les élèves jouent sur le sens de juste. Ils savent qu'il y a la justice légale et il y a la justice légitime. Je l'ai lié notamment à l'écologie, à la désobéissance civile. Je me dis aussi qu'on aurait pu relier au Covid, aux mesures sanitaires, ce genre de choses. J'ai fait 4 pages, ça va, je pense que ça va. Elle a écrit plus, elle. Moi, j'ai fait 7 pages. Mais bon, après, en vrai, le nombre de pages est assez trompeur. Hein. C'est pas parce qu'on a écrit beaucoup que c'est forcément bien. Si beaucoup sont soulagés, ces lycéens doivent encore garder le cap pour le grand oral. Dernière épreuve, prévue à la fin du mois et notée au coefficient 10. Ils connaîtront leurs résultats au plus tard le 8 juillet.